Vous allez lui dire après. En tout cas, bon, c'est par rapport à ce qui est répétitif. Hier, par exemple, j'en ai parlé. Après le direct, il paraît qu'il y a eu une arrestation et tout. Nous allons y revenir. Nous avons parlé de Fonike Menge. Je ne sais pas si on l'a laissé voir ses parents ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là pour l'instant. Mais il faudrait que le CNRD comprenne une chose. Si vous me regardez, ben, j'espère que vous me regardez. Ben, si vous ne me regardez pas, ce n'est pas grave. Mais je vais quand même faire la vidéo. On ne sait jamais. Voilà. Parce que vous savez, moi, avec moi, comment ça se passe à peu près, plus ou moins. Il faudrait que vous sachiez une chose. Le CNRD, principalement le colonel Mamadi Doumbouya, nous n'allons pas vivre, ou bien je ne dis pas nous, moi je ne vais pas vivre Alpha Condé sans Alpha Condé. Je parle à mon nom, je ne parle au nom de personne. Moi je ne suis pas d'un parti politique, je ne suis pas d'un groupe. C'est pourquoi je dis ce que je veux, je soutiens qui je veux. Quand j'ai envie de descendre du bateau ou de l'avion, je descends. C'est-à-dire, c'est pas que je soutiens quelqu'un sans condition, non, parce que j'ai entendu des gens dire ça. Oui, tu soutiens le colonel sans condition, patati patata. Non, moi j'ai mes conditions. Peut-être ce sont les conditions-là que vous minimisez. Moi je ne les minimise pas, mes conditions. Je sais que ces conditions-là ont du poids. C'est la communauté musulmane qui ne se rend pas compte de son poids et de sa force. Moi je sais que Allah m'a donné une petite force et je crois que ça donne un peu. Et le un peu là, je ne vais pas mettre ça à terre. C'est pourquoi je n'associe pas l'argent à ce que je fais. Au moment venu, si je veux arrêter tout, j'arrête. Tu ne peux rien. Qui que tu sois, mon nom cessera. Parce qu'il n'y a pas de haka. Je n'ai de haka avec personne. Avec personne. Personne. Si quelqu'un me donne quelque chose, peut-être c'est un cadeau que tu veux me donner. Mais pour dire que je vais venir parler de toi, je vous l'ai déjà dit. Tu as un téléphone. Qui que tu sois, tu as un téléphone. Je peux te montrer comment on fait en direct. Ou si je t'ai rencontré, ou si je te connais, je t'ai analysé. Je dis ce que je pense de toi. Je peux me tromper. Je peux faire ça. Mon analyse personnelle sur une personne, un homme politique, un homme d'État, comme d'habitude, quoi. Mais comme ceux qui m'accusaient au début, elle est vendue, patati patata. Non, il n'y a pas de méthode de pression sur moi. Non, je vais critiquer Mamadi Doumbouya parce que c'est ça qui fait plaisir à Paul ou à Pierre. Non, je vais le critiquer quand je pense que c'est le moment opportun. Il n'y a pas de moyen de pression. Mashallah, il n'y en a pas. C'est pourquoi je préfère être libre et indépendante. C'est ça l'avantage d'être libre et indépendante. Tu ne vas pas t'asseoir devant une caméra, tu fais comme si tout va bien, on sent même que tu es coincé, que tu es forcé de dire ce que tu es en train de dire. Non, 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 je suis à l'aise quand je fais mes choses là. C'est-à-dire, je n'ai pas de pression. Et tout le monde remarque que j'ai de l'assurance, mashallah, parce que je suis sûre de ce que je suis en train de faire, plus ou moins, et je confie à Allah pour qu'il m'aide, parce que c'est pour lui que je me bats. J'ai dit devant tout le monde ici, je dis moi pas avant 1 an, 2 ans. Restons derrière lui d'abord. Ah non, 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 toi tu es venu, c'est pas comme ça que moi je me bats. Je ne combats pas quelqu'un que je n'ai jamais défendu. C'est-à-dire, j'insiste sur les trucs, on dit, ah la dame, elle est folle. Non, je ne suis pas folle. Quand le moment de quelque chose vient là, je le fais. Comme je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas de moyen de pression. S'il y avait moyen de pression là, tant d'alpha qu'on est là, j'allais perdre mon foyer. Malheureusement, les gens qui voulaient me faire perdre mon foyer là, qui faisaient les réunions sur moi là, c'est eux qui sont encore derrière mon mari Doumbouya aujourd'hui. C'est pour vous dire que chaque étape de l'histoire d'un pays ou de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire d'une famille, on voit les visages de tout un chacun. On voit qui est qui. Et c'est très très intéressant. Leur arrivée là, c'est intéressant parce on découvre une autre phase, un autre visage de tout un chacun. Donc, moi, Marie Sissoko, je ne vais pas vivre Alpha Condé sans Alpha Condé. Vous n'allez pas prendre la Guinée comme si c'est pour votre père. Ce n'est pas pour vos pères. C'est pour nos pères à nous tous. Et le meilleur Guinéen sera le Guinéen qui apportera une solution au problème de la Guinée. Lui sera le meilleur Guinéen. Votre méthode à la Alpha Condé que vous voulez ramener là, ça ne marchera pas. Il faut même laisser la partie là. C'est un conseil. La partie que Alpha Condé a fait là, il faut même laisser ça. Ça ne donnera pas, Inch'Allah. Ça ne peut pas donner. Non. Fais ou fais, fais, fais. C'est-à-dire, c'est ce que je disais hier. C'est répétitif. C'est ennuyeux. Donc, vous aussi, vous êtes devenu ennuyeux.
C'est-à-dire, vous m'ennuyez, quoi. Je ne veux pas m'ennuyer. Non, je veux que ça avance. Je veux que ça progresse. Je veux un changement. C'est quoi un changement? Un changement, c'est de voir ce que tu n'as pas l'habitude de voir. Certes, je le signale à chaque fois. Ce peuple a un problème. Je vais le dire à chaque fois. Quand je vais parler de vous, c'est comme un couple. Quand je parle du CNRD, je parle de nous autres, le peuple. Nous sommes un couple. Ah, mon mari là est comme si, mon mari est comme, ma femme est comme si, ou ma femme est comme ça. Chacun, le mari a sa responsabilité, la femme a sa responsabilité, même si c'est 2%. C'est la partie là que ceux qui vous combattent là, je ne suis pas d'accord avec eux. Je veux qu'ils ressortent le côté du défaut du peuple, et c'est ce défaut de ce peuple là qui a fait que vous, vous êtes là. Donc vous n'allez pas venir, vous êtes venu avec vos visages froissés. Maintenant, vous avez les grosses joues, ça brille de partout, que moi je dise quelque chose que vous refusez de faire. Ça ne marchera pas, Inch'Allah. Ça ne marche, ça peut même pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Wallahi, Inch'Allah, ça ne peut pas marcher. Féo, 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 féo. Ne vous mettez pas dans les problèmes. Mamadou, ouais, tu sais combien de coups d'État a échoué sur toi? Tu sais combien a échoué? Combien? Tu te poses la question, comment ça échoue? Et pourquoi ça échoue? Tu as beaucoup de personnes en prison. Les gens du RPG, là. Je le signale, moi, je ne les défends pas. Hein. Chacun mérite ce qu'il a. Je suis en train de dire ma parole. Ils sont en prison. Les Fonikemen Gay sont là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont rajoutées. Et chaque fois, il y a des gens qui se rajoutent. Toi, tu vas faire comment pour t'en sortir? Par la logique des choses. Par quelle méthode tu vas t'en sortir? Les Guinéens pleurent. Bon, eux, ils ont toujours pleuré. Parce que moi, je ne vais pas poser le bagage là sur ta tête. Non, je leur ai dit ici. Alpha Condé nous a trouvés avec nos problèmes. Il a rajouté sa part parce qu'il y avait de la place. Donc, le problème là va continuer. Même si Mamadi Doumbouya part, un autre va venir. Si de notre côté, on ne modifie pas un peu notre comportement, ça va continuer, ça va être répétitif. Mais il faudrait que Mamadou Doumbouya mette dans sa tête, qu'il mette dans sa tête que lui il peut partir, on le dégage, on le ligote, on le saucissonne. Très bien, on t'attache. Tu sais, c'est pas saucissonner, non. Tu demandes à ta femme, on te saucissonne très bien. Tu te réveilles en France, Inch'Allah. C'est possible, mon frère. Wallah, c'est possible. C'est possible, Féo. C'est quand ça va t'arriver que tu vas dire, mais l'autre, la folle là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez qu'on soutient les gens parce qu'on les paye? C'est le Guinéen qui voit les choses de cette manière. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Moi, j'ai mon objectif. Qui que ce soit qui vient au pouvoir, c'est la même chose que je vais lui proposer. Parce que pour moi, c'est ça la solution. Pour moi. C'est ça la solution pour moi. S'il y a une autre solution pour d'autres personnes, la personne se bat avec cette solution-là. Mais si Alpha Condé fait une erreur, les hommes politiques font une erreur, la population fait la même erreur. Toi, Mamadi Doumbouya, toi, tu ne peux pas éviter l'erreur parce que toi, tu es déjà à la tête. Quand on parle de manifestation, qu'est-ce que moi j'ai dit? Je ne suis pas pour. Ne sortez pas. C'est ce que j'ai dit. Si vous sortez, je ne suis pas dedans. Ils peuvent sortir. Toi aussi, je te dis, laisse-les sortir. Il faut mettre des drones. Non, il faut interdire les manifestations. Ça, c'est une faiblesse. Si tu mets les drones, les manifestants se sentent filmés. Même s'ils veulent faire des dégâts, ils ne vont pas le faire. Parce qu'eux aussi ne veulent pas qu'on voie leur côté violent. S'il y a de la violence, c'est les vidéos-là que vous montrez. Toi, tu te positionnes bien dans ça. Et eux aussi vont se remettre en question. Soit ils vont arrêter, soit ils vont changer leur façon de faire les choses. Non, non, non. Il faut tout bloquer, il faut tout stopper. Ce n'est pas une bonne image. C'est ce que l'autre a fait. C'est ce que M. Alpha, c'est-à-dire, les résultats de M. Alpha Condé, c'est ce qui toi t'a amené. Mais toi, tu veux faire les mêmes méthodes, mais tu auras le même résultat que le résultat qu'il a eu. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, moi, je me pose la question, qui conseille ce monsieur-là? Je me pose cette question tous les jours. Qui te donne des conseils? Ou bien, à 90%, mon frère, les erreurs du passé sont là à 90%. Donc, je me demande comment lui, là, il compte s'en sortir. Tu peux t'en sortir si tu fais ce que Allah aime. Ça aussi, tu penses que ça n'a rien à voir avec toi, ta gouvernance. Ce que lui, il aime, là. Non, non, non. Vous, vous êtes laïque.
Quand vous voulez le pouvoir, vous priez votre créateur. Oh, c'est Allah qui m'a donné le pouvoir. Oh, Allah est ci, est ça. Mais quand un moment veut, arrive, c'est un pays laïque. L'hypocrisie. Les musulmans pervers. Vous pensez que c'est comme ça que ça va marcher? Ça ne marchera pas, mon frère. C'est-à-dire, quand je te regarde, tu me fais pitié. Tu me fais énormément pitié et tu fais pitié à beaucoup de personnes. C'est triste et c'est dommage. À beaucoup. C'est-à-dire, le nombre de personnes, moi qui m'appelle, qui ne sont même pas politiques. Ah ouais, c'est ça qui m'inquiète. Des gens qui ne se sont jamais mêlés de la politique et qui sont de son ethnie, qui se disent, ce garçon, est-ce qu'il n'a pas un problème mental? Mais ça, c'est inquiétant. Mais bon, il paraît que ton grand-père soignait les fous. J'ai peut-être que tu as laissé qu'il y a de la folie. Moi, j'en sais rien. Ce n'est pas un soin, mais je vais comprendre. Tu as une évidence. Tu as un truc, tu sais que tu as remplacé quelqu'un qui avait tel défaut, tel ou tel et telle erreur. Toi, tu viens, tu fais la même. C'est-à-dire, tu fais plus. Si les hommes politiques veulent faire les mêmes erreurs, on ne les parle, ils n'écoutent pas. Mais eux n'ont qu'à faire leurs erreurs là-bas. Mais toi aussi, tu rajoutes ton erreur à ces erreurs. La population aussi, c'est-à-dire, on a trois groupes d'erreurs, quoi. Personne ne veut se remettre en question. Mais mon frère, tu étais déjà au pouvoir. Et il y a des gens qui cherchent ce pouvoir là. Et ce n'est pas impossible qu'on te prenne. Nyorm, mashallah. Quand je dis nyorm la nyof, c'est-à-dire, era quoi? Il ira profiteur, il ira opportuniste, il ira. On vous dégage tous avec toi, bah, tes opportunistes, bah, tes profiteurs, bah, tous ceux qui sont venus là parce que c'est bon. On vous ramasse tous. Inch'Allah, c'est-à-dire, en deux temps, trois mouvements, tu ne vas même pas avoir le temps de réagir ou de comprendre ce qui se passe. Mais tu vas te demander, mais attendez, c'est un film ou bien c'est quoi? Alpha Condé, vous avez vu son regard, il pensait que c'était un rêve ou bien c'est un film. Mais non, c'est une réalité. Et il ne dort pas. Aujourd'hui, il parle avec Ella Gessénou. Ça, c'est la politique. Les politiciens sont comme ça. L'être humain est comme ça. L'être humain, c'est les intérêts. L'intérêt, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas l'argent dit. Moi, depuis qu'il est là, il n'a posé aucun acte islamique. Aucun. C'est ça mon intérêt. Peut-être vous n'y croyez pas, mais vous allez croire progressivement. Moi, je porte le voile. Si je vais prendre, comment on appelle ça? Là où on fait les machins, là, les pièces d'identité. On veut dévoiler ma tête devant tout le monde. On ne peut pas mettre un petit rideau pour nous protéger. Hein? Il pense que moi, je me bats pour les démocrates. Ou parce que toi, on m'a dit, moi, tu es grand. Ou je ne sais même pas, tu es comment. Mais mon frère, moi, je m'en fous de toi. Moi, mon intérêt, c'est ça. Tu vas quitter l'autre qui va venir, je vais lui proposer la même chose. S'il n'est pas d'accord, quand moi je prie là, la nuit je me lève, oui, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, je demande ce que tu aimes. J'ai porté ça, je veux que toutes les femmes de l'humanité portent ça. C'est bête, c'est la folie, go, mais c'est ce que j'ai dit. Mais quand je vois que ça ne va pas dans le sens, je reviens, je dis Allah, fais en sorte que Mamadou Doumbouya et son CNRD et les Guinéens et l'humanité fassent ce que toi tu aimes. Je vais le dire plusieurs fois. Quand je vois que ça ne marche pas, que toi, tu te fous de la gueule des gens, et moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas les gens qui pensent que non, on ne peut pas les enlever. Ça me dérange. C'est ça qui me dérange chez M. Alpha Condé. C'est-à-dire, il pense qu'il est intouchable. Je dis, mais dis donc, on va venir t'attraper. Tu ne vas même pas comprendre. Et dès que tu doutes de quelqu'un, tu l'arrêtes. Dès que tu doutes de quelqu'un, tu l'écartes. Mais ce que je ne comprends pas, ce monsieur-là, c'est pourquoi je dis que c'est répétitif et que c'est dommage. Toi, on t'a signalé, toi, on m'a dit, on t'a signalé Alpha Condé, même sur la page, là, combien de fois? Combien de fois? Il a réussi à t'arrêter. Il a réussi à t'anéantir. Il a réussi à éviter que tu sois au pouvoir. Non, mon frère, tu as eu le pouvoir. Parce que c'était écrit. Celui qui doit te remplacer, si c'est écrit qu'il te remplacera. Si c'est écrit qu'il te remplacera, ah, tu te fatigues seulement. Le jour que tu vas te voir et qu'on va dire c'est lui qui t'a remplacé, tu vas dire, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? C'est ce que je ne comprends pas chez les gens, quoi. Les erreurs sont trop répétitives. On en comprend pas. Tu sais, on se sert des erreurs des autres pour avancer. On se sert des erreurs des autres pour évoluer. On se sert des erreurs des autres pour éviter leurs erreurs.
tu fonces droit dans le mur. Parce que tu as quelle méthode? Parce que tu as les armes. Ah, c'est la partie là-même qui me fait rire. Celui qui t'a fabriqué, il t'a donné toutes ces armes-là. Tu l'as attrapé, non? Celui qui a fabriqué force spéciale. Tu l'as attrapé ou bien? Tu l'as pas attrapé. Donc, toi, pour t'attraper, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Tu es l'homme. Wallahi. Mamadi Doumbouya, si tu me regardes, ou si quelqu'un qui te connaît me regarde, je vais te dire aujourd'hui, tu es l'homme le plus facile à déstabiliser. Wallahi, je me pose la question. Ceux qui te combattent, jusque un an, tu es là. Je me dis, comment ça se fait que tu es encore là? Tu es le plus facile à déstabiliser. Tu le sais au fond de toi. Il n'y a pas plus peureux que toi. Plus peureux que toi, il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est ça que je ne comprends pas chez ces hommes d'État ou, je ne sais pas, ceux qui se disent grands hommes-là. Dès qu'ils prennent un peu d'assurance, c'est-à-dire, ils oublient. Ils se sentent au-dessus de tout. Non. Non, mon frère. Tu n'es pas... Non. Tu es très facile à déstabiliser. Très facile. Très facile. Trop facile même. Quand moi, je te regarde, tu me fais pitié. Wallahi, tu fais pitié à beaucoup de monde. Mais en résumé, et je vous assure, ce n'est pas des gens qui sont politiques. Et c'est ça qui me... C'est ça que je ne comprends pas. Ça, c'est des gens qui ne parlent jamais de politique. Mais aujourd'hui, qui se disent que... Qu'est-ce que le monsieur là, il n'est pas malade? C'est parce qu'il pose des actes. On ne comprend pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un... Comme quand aujourd'hui, on arrête des gens, on veut attaquer la Guinée, on veut si... Le même système. La même chose, exactement, avec les mêmes personnes. Ça, j'ai du mal à comprendre. Hé, hey, nous, on avait entendu ici que CIFD vient attaquer la Guinée, de fermer les frontières avec le Sénégal. Mamadi Doumbouya, tu es venu de Forécaria. Tu es venu de Forécaria. C'est parce que le Guinéen, il est Guinéen. C'est parce que le Guinéen, il est comme il est. Nous avons vu ça ici. On pensait que c'était la fin du monde. J'ai dit, hey, restez tranquille, il y en a la rafira. Ceux qui veulent manger, il faut manger. Laissez-nous tranquille. Si tu as faim, tu manges. Il y a des gens aussi qui créent le repas pour les affamés. C'est nous ça. Nous, on crée pour les affamés. Parce que nous, là, quand c'est chaud, là, on vient. On te bricole. Maintenant, quand tu es debout, c'est nous que vous... Je vous ai dit ça ici, non? J'ai dit, ils vont m'insulter ici. Ils sont comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont... L'étiquette est collée sur eux maintenant. Mais ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est quelle vie d'animal sauvage? Mon frère, il faut arrêter un peu. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi. Je t'ai dit, Fonike Mengue ne l'arrête pas. J'ai dit à Fonike Mengue, reste tranquille. Il allait rester tranquille jusqu'à aujourd'hui. Il allait commencer à t'attaquer petit à petit. On allait commencer les petites attaques progressivement, comme je fais là, petit à petit. Attaquer une personne pour faire tomber la personne et pour que la personne se remette en question fond d'eux. J'ai expliqué tout ça ici. Non, toi tu es vendu. Je dis, mais il y a des gens qui font des rêves sataniques ou quoi. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire? Chaque chose en son temps dans la vie. Comment tu vas au Libéria là-bas? J'espère que tu vas bien. Chaque chose en son... Quand le temps ça arrive là, tu fais à ce temps-là. Mais toi, tu veux faire avant le temps. Mais c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Tu es dans l'erreur. Tu es dans... C'est-à-dire, je sais même pas. Ce qui me fait mal, la joie du 5 septembre, le bonheur du 5 septembre, c'était l'un des jours les plus beaux de ma vie. Et c'était l'un des jours les plus tristes de la vie de certaines personnes. Ils ne vont jamais oublier ça. Et ces gens-là ne vont rien t'apporter, mon frère. Rien. Et tu le sais au fond de toi. Donc, ne t'emmerde pas et ne nous emmerde pas au passage. Et surtout, moi, ne m'emmerde pas dans ton emmerdement. Parce que ce que je fais, c'est propre et c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Ceux qui ont des... Il est dans l'illusion, ma chérie. Dans l'illusion totale. C'est-à-dire... C'est-à-dire... L'erreur qui t'a fait venir, toi, tu fais la même erreur. Les gens qui ont mis Alpha Condé en erreur, toi, tu approches les mêmes personnes. Mais ça, c'est... Mais Mamadi Doumbouya, toi, tu es kamikaze. Hein? Toi, tu n'es pas militaire. Toi, tu es kamikaze.
La Facebook va bloquer la vidéo là. Gitan, il y a des fois, ma soeur, vous êtes si spéciale, je ne sais pas comment, mais je comprends tellement vite et bien. Vraiment, Camara, vraiment. Moi, je ne comprends pas les gens. Comment tu peux pas être observateur? Le monsieur a perdu sa maman. Le laisser aller au funérail. Qu'il revienne. Parce que lui aussi, il aime la prison. Parce qu'il y a une fois la Nyenebe, une fois la Kendabe. On dirait que le monsieur, là, je ne sais pas ce qu'il a là-bas. Oui. Ce n'est pas 2 ans comme j'avais prédit. Et c'est maintenant que moi, je commence. Avant 2 ans. Quand je soutiens quelqu'un, quand tu déconnes, moi, je te dis. Voilà. Vous, vous soutenez les gens aveuglément. Même quand il y a les erreurs, vous les soutenez. Vous-même, quand il y a des erreurs, vous soutenez quelqu'un dans l'erreur, quelqu'un que vous appréciez ou quoi, vous le... Non, avant que l'erreur là vienne, je te le dis, je te préviens. Parce que peut-être, il pense, comme tu dis que j'ai prédit, c'est pas deux ans. Donc, il se dit, tout ce que la femme l'a prédit, ça se réalise, donc je peux faire n'importe quoi. Mais attention, tu n'as pas à rajouter. Moi, j'ai dit que je veux que les produits écrissants soient interdits, les faux cheveux, donner l'autorisation de faire un peu de sunna dans les écoles, il faut préciser la condition aussi. Voilà. Il faut préciser ce que j'ai dit. Il faut tout dire globalement. Donc, au bout d'un an, je commence. Moi, vous êtes dans votre truc d'élection. Moi, ça ne me regarde pas. Hein. Ce n'est pas mon problème. Non. Moi, je suis dans mon truc islamique. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, je pousse mes pions. Parce que s'ils pensent que c'est gagné, oh, parce que tout ce que la dame l'a dit, ça se réalise. Oui, la dame l'a dit à quelles conditions. Les vidéos sont là. Merci beaucoup. Du courage, ma soeur, je t'aime très fort. Ibrahim Ba. Merci beaucoup, mon frère. J'espère que tu vas bien là-bas. Mes conditions, je les ai posées. Je dis, on leur donne un temps de 3 ans. Moi, en tant que personne seule, j'ai changé en 3 ans. Encore un président. On lui donne ce petit temps-là. Il y aura peut-être une certaine ouverture pour l'islam parce que les démocrates ne vont pas le faire. C'est très très compliqué avec les démocrates. Moi, je sais ce que je dis. Hein. Attention, les vidéos sont là. Hein. Voilà. Moi, quelqu'un ne va pas m'arriver sur ma route. Donc, vous êtes passé par votre boycott pour que je le combatte. Non, moi, je ne vais pas combattre quelqu'un dans le combat d'une autre personne. Notre combat peut coïncider. Voilà. Les luttes peuvent coïncider. Je ne vais pas combattre Mamadi Doumbouya parce que je veux que les élections se passent rapidement. Non, ce n'est pas mon objectif. Hein. Ce n'est pas mon objectif. Moi, je n'ai pas envie que mes soeurs qui prennent le passeport en Guinée enlèvent leur voile. Devant les garçons, devant les hommes. Ce que toi, tu caches tous les jours ou à l'aéroport, montrer tes oreilles. Pour vous, ce n'est rien. Mais pour nous, c'est beaucoup de choses. Pour nous, c'est... Qui en parle? Vous voyez un démocrate parler de ça? Mais non. Les démocrates n'en parlent pas. Donc, s'ils pensent que, comme tu le dis, beaucoup de personnes sont parties derrière lui, parce que j'ai dit que je ne le critique pas avant 1 an ou 2 ans, et il va rester là pour 3 ans. Et j'ai dit le délai de mon délai de 3 ans. Donc, il y a des gens qui sont partis là-bas. Mon frère, il y a des gens avec lesquels je ne vais jamais faire le même camp. Parce que quand il y a des gens qui viennent derrière toi, c'est que ce n'est pas bon. Voilà. C'est le combat. L'enfant de Friaraba en Ligo, ça fait longtemps, ou bien c'est pas à vous. Peut-être que je me trompe. Une femme intelligente et courageuse, bien que respect à toi. Merci beaucoup, mon frère. Donc, il faut faire très très attention. C'est ce qui fatigue certaines personnes et c'est le piège là qui va se refermer sur lui. Parce que moi aussi, j'ai mes envies. Je ne veux pas de poste, je vous l'ai dit ici. Je ne veux pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. Quand tu as un poste, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus dire ce que tu veux. Tous ces gouvernements-là, c'est-à-dire avec l'islam, c'est complètement opposé. Et moi, c'est ça mon problème. C'est ça, moi, mon souci. Peut-être le fait que vous n'y croyez pas parce que personne ne le fait. C'est ça le problème.
Celui qu'on a arrêté là, on fait allusion à l'islam. Je vous l'ai dit, on va passer par là. Mais dès qu'on dit islam, on voit une certaine catégorie de personnes. Le combat, il est spirituel. La lutte, elle est spirituelle. Tu n'as même pas besoin de crier, crier, crier tous les jours. Non, c'est juste spirituel. Tu demandes à ton créateur, c'est lui qui va t'aider. Bien sûr que je suis déçue de ce que moi je veux, pas dans votre déception. Non, il ne faut pas calquer votre combat à ma lutte. Hein. Non, 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 j'ai été très, très claire. Moi, je ne me bats pas pour la démocratie. Hein. Non, il faut que ce soit clair. Et le CNRD aussi, les quelques personnes que je connais, je leur ai dit, moi, je ne vous soutiens pas parce que vous êtes beau ou parce que vous êtes serré. Moi, je m'en fous de vous complètement. J'ai mon problème, j'ai mon programme. Voilà, c'est même pas, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Il y a aucune, c'est très, 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 très clair. Très, très, très clair. Donc, il n'a qu'à réfléchir, qu'il réfléchisse lui et ses adeptes, les profiteurs et les opportunistes. Le tapis là, Mouna Komane, Khalati. Inch'Allah, Ara Komane, parce que si nous aussi, nous n'avons pas ce que nous voulons, vous allez dégager. Ça, c'est pas bon. Le reste là, ce n'est même pas mon problème. Et que personne ne calque son combat à ma lutte. Je ne veux pas du tout. Personne. Vous voyez, je ne dis pas partager. Hein, parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne se mettre derrière moi ou que je me mette derrière. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Oui, Ibe, Surba, Nanaradi. Nanara, nous yon aratin tangambira. Nous tangam madine fe gerene. Wotan nahe, a démocratie nan femme solution. Moi, je dis que c'est l'islam la solution. Vous me dites que c'est la démocratie. Donc, nous sommes opposés. Maintenant, même si on se retrouve, je vais passer ma route. Je dis, c'est la démocratie. Bon, laissez-moi passer. Quand je parle de mes trucs de voile ici, qui partage? Qui valide? Qui en parle? Personne. Personne. Mais ce sont vos soeurs qu'on dévoile la tête là-bas. Ce sont vos soeurs qu'on montre les oreilles. Vous pensez que ce n'est pas humiliant? Vous pensez que ça ne fait pas mal? Ou bien tu ne peux pas rentrer en classe pendant les examens parce que. Ou bien les gens vous traitent, ah, les Wahhabis, ah, elles sont sales. Oh. On nous dit tout ça parce que la majorité n'est pas comme nous. Vous pensez que les dames, les ministres là sont plus sales que nous? Moi, je suis plus intelligente que vos ministres là. Mais vous le savez très bien. Vous le savez, vous êtes conscient de ça. Mais ce n'est pas intéressant parce que ça va me bloquer. Ça va bloquer ma lutte. Est-ce que je peux dire tout ça? Je ne veux pas le dire. Parce que c'est... Ils ont dissocié la République à l'islam complètement. C'est parce que nous, les musulmans, nous le cautionnons. Parce que nous, les musulmans, c'est ce que nous voulons. Et moi, je le dis ouvertement. Même si on me prend pour une folle ou pour je ne sais pas, je m'en fous de ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, il ne fait pas ce que je veux. C'est ce que je vous dis, c'est ce que moi, je veux. Progressivement, progressivement, petit à petit, je regarde, est-ce qu'il y a des petits pions? Est-ce qu'il y a des possibilités? Ok. Voilà, c'est bon. Et bah, le truc, je me rétracte, je commence à l'attaquer de temps en temps, des petits coups de pied pour qu'il sache que c'est pas acquis. Hein. Mes parents ne sont pas des montagnes, c'est sous condition. Il n'y a pas de conditions financières, mais il y a des conditions d'intérêt islamique. C'est très propre, très très clair, très très clair. Vous pouvez sortir toutes les vidéos, vous les coller en 50 000. Vous allez voir ce que j'ai dit. Et je le dis et je le répète, je ne me bats pas pour les démocrates. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Non, 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 non. C'est très, très clair ce que je veux. C'est de la folie, je sais. C'est de l'utopie, oui, je sais. C'est de l'illusion, oui, je sais. Maintenant, je vais vous poser la question. Ceux qui disent que c'est l'humanité, c'est l'islam qui va sauver l'humanité. Maintenant, dites-moi, comment ça va sauver l'humanité? Comment ça va nous sauver? Si on ne passe pas par ces méthodes. On n'impose à personne de mettre le voile. Mais celles qui les mettent, comme moi par exemple, mais vous n'allez pas nous pourrir la vie, vous n'allez pas nous emmerder. Écoutez, il faut pas nous emmerder. Vous avez des femmes sales dans vos réseaux là-bas, n'importe comment vous couchez entre vous, mais un désordre pas possible. Ça, c'est pas mon problème. Nous voulons nos droits. Vous avez tout mis en place, ça ne marche pas. Drogue, alcool, ça ne donne pas. Mais donnez l'opportunité aux religieux ou à certaines personnes d'aller dans les écoles, je le répète, même une fois par mois. Moi, je n'ai pas, ce que je veux, je n'ai pas oublié, hein, parce que ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Ça, c'est au fond de mon cœur et de mon âme. Les sensibiliser. Ah, celles qui veulent porter le voile, laissez-les. Celles qui veulent porter le voile, laissez-les. Celles qui veulent porter le voile, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Celles qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Voilà les avantages, voilà les inconvénients. L'alcool et la drogue, tant, par rapport à l'islam, vous êtes des musulmans. Ça peut donner, bien sûr que ça peut donner. Bien sûr que ça donne. Mais il faudrait qu'on essaye.
Mais si personne ne le dit, comment ils vont essayer? Si personne n'en parle, comment ils vont essayer? Ils vont pas essayer parce que le médecin là, elle est malade, il faut pas l'écouter. Mais vous allez comprendre ma maladie quand vous et moi, nous allons commencer. Mais je vais attendre ceux qui sont en train de vous combattre, ils n'ont qu'à s'essouffler. Et ceux qui sont en train de manger, ils n'ont qu'à bien manger comme d'habitude. Quand c'est bon pour toi, là, je viens, j'enlève, poum, tu pleures jusqu'à fatiguer. Oui, quand moi, je me bats là, je ne m'assois pas pour parler. Non, non, non. Je vais prier. La nuit, je me lève. Oui, je prends mon chapelet aussi. Je demande à mon Créateur de m'aider. De m'aider à ce que lui, il aime, se réalise. Ce que Allah, lui, il aime. Ce n'est pas ce que moi, j'aime dire. Ce que Allah aime. J'ai dit à mon mari Doumbouya, qu'Allah fasse de lui un bon musulman. Je n'ai pas dit qu'Allah fasse qu'il bute au pouvoir. Je n'ai pas dit qu'Allah fasse qu'il change la Guinée. Non. Qu'Allah fasse de lui un bon musulman. Tu veux quoi de meilleur que ça? Qu'est-ce qui est mieux que ça? En invocation, en doua, qu'est-ce qui est mieux que ça? Qu'Allah fasse de toi un bon musulman, un sunna, toi et toute ta famille, toute ta descendance. Tu es là à faire des sacrifices à 2 francs. Qui ne donne même pas. Tous les jours, tu es un populaire. Il n'y a pas quelqu'un pour te dire que ça ne donne pas. Ou bien le marabout qui t'a dit le jour de faire le coup d'État, il ne donne plus. Mais il faut demander au marabout là, comment ça se fait qu'aujourd'hui ça se passe comme ça? Comment ça se fait que tu es détesté? Comment ça se fait que tu fais ce que l'autre a fait? Ton marabout peut te le dire, puisque c'est lui qui t'a amené au pouvoir. Ou bien, si tu venais au pouvoir, un marabout a travaillé pour toi, ou un marabout a sorti un sacrifice, si ça ne va pas, c'est lui que tu contactes, ou bien il est mort. Ah ben si il est mort, c'est pas un bon marabout. Parce qu'il allait rester jusqu'à la fin de ton règne pour te suivre, pour te donner des conseils, pour te dire c'est comme si c'est comme ça qu'il faut faire pour être populaire. C'est-à-dire les mêmes erreurs. Tu vois les mêmes artistes derrière lui. Les mêmes artistes. Les artistes-là n'ont pas sauvé Alpha Condé. Vous voyez? Ils voient, c'est-à-dire ce que Eli Kamanou, Oudi Premier, et qui là, ils n'ont pas apporté Alpha Condé. Ça va qu'ils vont apporter. Pourquoi ne pas apporter Alpha Condé? C'est-à-dire, c'est tellement évident. Les gens là qui m'appellent, c'est ça qu'ils me disent. Ils me disent, mais le monsieur là, il est fou. Il est avec ces gens-là. Pourquoi ces gens-là n'ont pas apporté? Oudi Premier n'était pas à l'investiture d'Alpha Condé. Il était là-bas. Ou bien? Mais on est venu attraper Alpha Condé le 5 septembre. Il a fait quoi pour éviter ça? S'il a une certaine force, il allait lui apporter ça pour lui éviter la honte. C'est-à-dire, soit tu évites la honte à quelqu'un, soit tu quittes derrière lui. C'est l'un des deux. Mais tu ne lui évites pas la honte, tu ne lui apportes pas la force, tu ne quittes pas derrière lui. C'est pas ton utilité. D'ailleurs, tu suis quelqu'un, c'est pourquoi? En tout cas, quand tu soutiens quelqu'un ou quand tu combats une personne, c'est pour un objectif bien déterminé. Très, très bien déterminé. En tout cas, comme moi, je vous l'ai dit là, c'est ça dit. S'il quitte celui qui vient, ça sera ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est là-bas qu'on va terminer. Là où on termine là. Pourquoi on ne commence pas là-bas? Mais mon frère, je te répète encore. Pour t'attraper là, c'est simple. C'est simple comme... C'est plus simple que bonjour, parce que bonjour là, c'est long. C'est très, très simple. Il ne faut même pas douter de ça. Ne doute même pas de ça. Hier, quand j'ai fini le direct là. Ah, d'accord, Souba. Comme tu n'es pas si là. Amina, Amina, Amina. Jean-Gor Junior Yallo. Amina, Amina. God bless you too. Merci beaucoup là-bas. Vous voyez? Donc, il faut qu'ils comprennent que c'est ça, c'est en train de tromper beaucoup de personnes. Comme si moi, j'ai dit ça pour eux. Moi, j'ai dit ça pour moi. J'ai dit ça pour ma cause. Pour lui donner le temps. Maintenant, si un an est arrivé, comme je l'ai dit, petit à petit, je vais sortir ma petite tête. Là, mon frère. Maintenant, Allah se le sait. c'est simple comme hé, Yari, comme hé, hé, parce que hé, n'a pas Donc, Yari, n'a pas de moment, on va à mon arabe, alors on a le démocrate et l'élection, tout le monde a fait. Et bah, on a un cas. N'a pas de moment, on a un cas. Et n'a pas de moment, on a un cas. Et n'a pas de moment, on a un cas. Et n'a pas de moment, on a un cas. Et n'a pas de moment, Et c'est comme un garçon, raton, garçon, ma corps, n'importe comment. Mon frère, je suis un peu plus de temps pour produire un peu de temps. Alco, je suis un peu de temps. Alco, je suis un peu de temps. Donc, je ne veux pas dire que 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 Il y a quelqu'un même qui m'a dit ça. Il dit, ma soeur, toutes les personnes
qui viennent ici, si ce n'est pas pour l'argent, c'est pour les postes. Tu ne verras personne pour proposer qu'il y a des idées pour le pays. Personne. Et tout le monde peut avoir un poste. Mais tu peux aider ton pays sans poste. Tu peux aider ton pays sans argent. Il y a même des patriotes en location. Mais c'est incroyable ça. Toi, tu es patriote, il faut qu'on te paye. Ce que tu dis, ce n'est même pas important. Ah, parce que les gens ont fini de balayer, tu veux venir manger. Mais il fallait balayer. Toi-même, tu viens manger. C'est bien quand toi-même, tu te balles. Comme aujourd'hui, là, je peux dire ce que je veux. Là où même il est assis, là, son âme sent. Quand eux, ils regardent ça, ils vont dire, il y a des gens qui vont dire, la dame, elle est folle. Mais leur âme dit au fond d'eux, franchement, c'est l'âme qui dit ça au fond de toi. Elle a raison, go. Il faut un peu écouter ce qu'elle est en train de dire. Et mais toi, tu ne fais pas ce que Allah veut. Eh, même année, on est laïque. Allah, qui t'a mis au pouvoir? Quelqu'un qui a voté pour toi? Hein? Tout le monde est mécontent. Tout le monde est fâché. Tu vas faire comment pour t'en sortir? Tu comptes sur tes armes là. C'est sur les armes là que tu comptes. Non, je ne pense pas que c'est sur ça que tu comptes. Ça m'étonnerait que tu comptes sur ça. Parce que ça c'est une très très mauvaise idée. Il ne faut même pas penser à ça aussi. Non, il faut laisser ça. Laisse la partie là. Voilà Yari Silla qui est là. Yari Silla, on était là à faire une constitution. Ou bien, voilà. Yari Silla, elle a vu Madame Sissoko. Un jour, elle a écrit un commentaire. Ah, vraiment, ma chérie, je crois que c'est ça. Hein. Je n'ai pas exactement la phrase, mais c'était le genre de dire, ah, tu as soutenu la constitution, tu es très intelligente. Tu aurais dû comprendre que Alpha Condé allait se présenter. C'est quelque chose de ce genre qu'elle a écrit une fois, quand j'ai commencé à attaquer Alpha Condé. J'ai dit, mais ce que je disais, c'était très, très clair. Mais c'est des gens, c'est-à-dire, il y a des moments où je me dis, peut-être qu'ils sous-estiment, ils me sous-estiment. Je ne sais pas. Je ne comprends pas certaines réactions quelquefois. Tu te rappelles, Nia Yari, tu as vu, non? Je me rappelle. Il y a des gens desquels je me rappelle. Hein? Oui, une fois tu as écrit ça, et si toi, on t'avait dit que moi, j'allais passer des mois ici à Traka, tu allais me croire, tu n'allais pas me croire. Non, mais je le dis, je ne peux pas combattre quelqu'un sans te soutenir. Je vais vous expliquer spirituellement comment ça se passe. Quand je parle ici, là, c'est spirituel. Je suis autoritaire comme femme. Mashallah. Excuse-moi, mon frère. C'est mon tempérament qui est comme ça. C'est ma personnalité qui est comme ça. Donc, spirituellement, comment ça se passe? Quand tu défends quelqu'un, tu utilises des trucs. Voilà, tu utilises ton âme, ton cœur. Si ton âme est dirigée dans le sens islamique, ça se note. Si c'est dirigé dans le sens satanique, ça le note aussi. Si tu apportes, c'est comme si on est en train de construire une maison. Il y a des gens qui apportent des tôles, il y a des gens qui apportent du ciment, il y a des gens qui apportent le gravier, il y a des gens qui apportent, voilà, tout ce que vous savez. Mais il y a des pièces clés dans une maison, quand ça n'est pas dedans, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça dépend de la force de tout un chacun. Et il y a des gens aussi qui ont la capacité de construire une maison toute complète. Donc, la personne peut détruire ça le jour qu'elle veut, parce que c'est elle qui a construit. C'est ça la spiritualité. C'est comme entre Toumba et Dadis. C'est exact. Mais, eux, c'est des militaires. Il faut prendre des armes. Sinon, il aurait pu arranger Dadis sans toucher à l'arme. Spirituellement, il aurait pu le faire. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est ce que les marabouts utilisent. Il faut faire tel sacrifice, il faut faire tel sacrifice parce qu'ils sont fainéants. Ils ne veulent pas dire à leurs clients de se lever la nuit pour prier. Ils ne veulent pas dire à leurs clients de faire les bonnes œuvres. Ils ne veulent pas dire à leurs clients d'éviter les interdits. C'est tout. Sinon, quelqu'un comme Marie de Mouya, Allah te donne le pouvoir parce qu'on n'a pas voté pour toi. Une journée. Toi, tu vas me parler de laïcité. Oui, je te comprends. Tout à fait. Mais tu penses que c'est la laïcité qui t'a amené là-bas? Bonsoir, Ousmane. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. Tu penses que c'est les laïcs qui ont voté pour toi? Tu t'es vu un beau matin, tu es président. C'est les laïcs qui t'ont amené là-bas. Awa, Allah n'est pas laïque. Non, non, non. Allah n'est pas laïque, Féou. Moi, le Allah que j'adore, là, lui, il n'est pas laïque. C'est toi qui es laïque. Mais ta laïcité, là, on va te saucissonner si tu ne fais pas marche arrière. Tu es dans un tournant décisif là. Un grand tournant. C'est Allah seul qui peut t'enlever dans ça. Lui seul qui peut t'enlever dedans.
Alassane Bangoura, Gimou Wengi Mema. Je ne me braque pas. Non, pas pour l'instant. Yari, il faut demander à Yari ici, là. Moi, c'est comme ça, petit à petit. Avant que tout le monde disait ici, oh, toi, tu es pour Alpha Condé. Non, tu es du RPG. J'ai dit ça comme il faut. Moi, je ne suis pas du RPG. Le moment de ça, quand ça va venir, ça va se faire. Quand le moment est venu, ça s'est fait. C'est difficile à expliquer tout ça là. C'est spirituel. C'est... Maintenant que Toumba a parlé de spiritualité, tout le temps les gens m'appellent. Toumba a dit, Toumba a dit. Je dis, mais peut-être que Toumba qui s'est inspiré de moi, qu'est-ce que j'en sais? C'est une coïncidence, j'en sais rien. Mais moi, je ne me suis pas inspiré de lui. Hein. Ça, la partie là au moins, c'est clair. Puisque moi, j'ai commencé à dire ça avant qu'ils commencent leur affaire. Ils sont en train de parler de leur sacrifice, leur critique carta et tout. Que nous, on a parlé de ça ici. Que tous les pouvoirs utilisent cela. Ça finit comment? Si toi, Omari Doumbouya, qui est en train de faire ce procès aujourd'hui, toi aussi, tu utilises les mêmes méthodes. Mais à un moment donné, non seulement c'est les dépenses, ça te salit, ça salit ton âme et ça fait en sorte que tu attires des gens qui ont des âmes sales. C'est ça le problème. C'est les âmes sales que tu vas attirer. Regarde tout l'argent qu'il jette. Il a donné une voiture à un tel, il a donné combien de sommes à un tel, il a donné un quoi à un tel. Ces gens-là vont t'apporter quoi? Tu as donné tout ça, ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a rendu populaire? Au contraire, quand tu fais certains cadeaux, ça te rend un coup populaire. Quand vous faites les concerts, après, il y a des accidents, en plus, tu es impopulaire. C'est ça le truc. C'est-à-dire, le monsieur a tellement de chance, mais on dirait que. C'est pourquoi je dis, les gens qui sont autour de lui, il y a deux choses. Déjà, pourquoi attirer des gens aussi négatifs? Ça se fait que tu attires des gens aussi nuls et bidons. Si toi-même tu n'es pas négatif quelque part, mais qui se ressemble, ça semble. Qui se ressemble, ça semble. C'est pourquoi c'est difficile de parler des gens qui gouvernent la Guinée. Si nous aussi, notre part de responsabilité, on n'est pas très clean, quoi. C'est ça le problème. On ne peut pas trop parler d'eux. Nous-mêmes, on est un peu, voilà, on est un peu d'un genre là, pas nickel. C'est très difficile, c'est très très compliqué. Et certaines personnes veulent qu'on parle seulement de ceux qui nous gouvernent et nous la population, on est des gens bien. Non, on n'est pas des gens bien. Je ne pense pas qu'on soit très très bien parce qu'on doit se poser la question, pourquoi des gens comme ça à notre tête? Moi, c'est cette question que je me pose. Pourquoi eux, on quitte à Whiskyman, voilà, là où on est encore. Mais pourquoi? Il faut qu'on réponde à cette question. Cette question, on doit répondre à cette question. Honnêtement, que chacun de nous, vous qui allez regarder cette vidéo, que vous vous asseyez, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas le braquage, ce n'est rien du tout. Vous essayez et nous allons trouver des solutions parce que c'est répétitif et c'est fatigant et c'est ennuyé que tu répètes tous les jours la même chose. C'est-à-dire quand je te dis que tu répètes tous les jours la même chose, c'est le même comportement. C'est le même comportement pour tout le monde. Tout le monde fait pareil. Tout le monde dit pareil, et le même résultat finalement, comme celui-là qui se comporte de cette manière. Tu vas arrêter toute la Guinée. Tu es venu t'a libérer des gens, un groupe. Vous allez arrêter. Hein? Tu vas arrêter quelqu'un d'Allah. Tu vas arrêter quelqu'un qui est vraiment connecté à Allah, sincèrement et honnêtement. Ça va te coûter ton pouvoir et en plus accompagné d'humiliation. C'est la partie là, vraiment. Et tous les détournements là. Hein? Tous les détournements là, en si peu de temps. Ils sont tous en train de construire n'importe comment. Tous en train de construire n'importe comment. Des miséreux comme vous. Vous pensez que moi je vais voir ça. Et puis me taire dessus parce que... Non, moi je ne suis pas de ce genre. Quand je te soutiens, c'est toi que je lave. Quand mon lavage ne te plaît pas, là, je te laisse. Je quitte derrière toi. Officiellement et officieusement, tu te démerdes. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut faire comme moi, là, nous allons voir entre 3 et 6 mois. Ce que ça donne. Alassane Bangoura, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes partout. Konagé Rafira Dengue. Eh, Alassane Bangoura, toi, tu peux faire les mêmes erreurs que ton prédécesseur. Toi, tu peux approcher les mêmes personnes qui conseillaient ton prédécesseur et il a fini comme il a fini à la salle. Non.
idugula kio ki mona na baba pene solution na kana ni ira pour que ma so alfa konde ira pour que ma so alfa konde ira solution na kana ira e so mana ira ni e rata nga ya gima ka donc fina na na ra ça c'est un mauvais signe c'est un très 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 mauvais signe très mauvais signe kali tan na kan bangura ka me bangura tu rena ki mbara mbara ki ni ma na mara ra silla na ira no ya comprendre mané ya fina gara. Donc, ma ramène, tu es en barque, mon nom fait faire des maramètes en contre. Donc, quand c'est, il y a des signes comme ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il faut le lui rappeler. Peut-être que, je sais pas ce qui tourne sa tête. C'est-à-dire, vous savez, les mauvais sacrifices là, ce que les gens oublient, c'est un réseau. Ah non. Moi, je n'approche pas mon ennemi pour le combattre. Moi, mon ennemi, c'est mon ennemi. Je ne sais pas faire ça. Moi, quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi et puis je gagne, mashallah. C'est pourquoi quand je te soutiens là, je te soutiens avec mon cœur et mon âme, honnêtement et sincèrement. Le jour que je quitte derrière toi, même si tu ne dis pas, tu vas sentir un petit vide. C'est ça qui fait ma force, mashallah. Je ne suis pas, même toi là, si on se connaît, quand j'ai un problème avec toi, tu vas le savoir que tu as un problème avec moi. Je ne sais pas faire ça. Non. Et souvent... L'être humain n'aime pas ça. L'être humain aime l'hypocrisie. L'être humain aime que tu lui dises ce qu'il aime entendre. Mais il y a des vérités qui font mal. Ça fait très très mal. Mais il y a certaines vérités qui font que tu te remets en question. Ça c'est normal. Tout ce que nous on disait ici sur mes tontons là. Aujourd'hui, les gens regrettent. Mais moi, combien de fois ils ont insulté ma mère dans la nuit. Téléphone, les injures. C'est les mêmes personnes qui sont avec eux là-bas aujourd'hui. Mais attends, je ne vais pas les combattre pour ça. Mais si ce genre de personnes les attire ou ils s'attirent entre eux, ça veut dire que c'est la même espèce. Ou bien, c'est ça, c'est très très simple. S'ils étaient forts, ils allaient l'aider. Puisqu'il y a eu des mouais, c'est pas tout le monde qui soutenait Mouali Boubouyadi. Non. Moi, ma page là, c'est à ce moment-là que ça s'est vidé. Mais non, comme j'aime pas la pression, non. Je suis libre de mes mouvements. Très très libre, mashallah. Libre plus que le mot libre, plus que vous ne puissiez imaginer la liberté que j'ai. Parce que mon mental est libre, parce que mon âme est libre. Pur, il n'y a même pas de doute dessus. Parce que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas tout le monde qui peut tenir des discours comme ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Déjà, on te prend pour une folle. Hein? Rien qu'on ne te prenne pas pour une folle là, tu te rétractes. Pour ne pas que tu dises ce que tu as dit. Mais au fond, hier, j'ai parlé avec quelqu'un de très, très connu qui n'aime pas trop le côté islamique là. Chaque fois, quand on va dans ce sens-là, la personne n'aime pas trop. Mais hier, elle me l'a dit. Elle me dit, ma fille, wallahi, ce que tu dis islamiquement, c'est la solution pour nous, c'est la vérité. On ne l'accepte pas, mais c'est la vérité. Je te dis aujourd'hui, honnêtement, que c'est la vérité que tu dis. Et que c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte. Que regarde les têtes de mort là qui sont venues au pouvoir, comme je ne sais pas comment là, ceux qui sont en train de faire aujourd'hui comme des hommes. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Tu te débarrasses d'Alpha Condé. Lui, il vient tellement qu'il n'a rien dans la tête, il s'inspire d'Alpha. Comment tu peux t'inspirer de quelqu'un que toi tu as fait tomber? C'est pourquoi au début je disais, il ne faut prendre l'exemple sur aucun président guinéen. Crée-toi ton propre réseau. Crée-toi ta propre personnalité. Sois toi-même. Va avec tes propres idées. Ce n'est pas quelqu'un qui va te valider. Non, c'est Allah qui va faire qu'il va t'amener des gens pour te valider. Allah va amener des gens pour t'aider. Allah va amener des gens pour te conseiller. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour lui? Les sacrifices que vous faites là, ça c'est pour Shaitan. Même quand tu verses l'eau le matin, là, tu casses les œufs, ça c'est pour Satan. Allah ne mange pas des œufs. Non, il ne boit pas votre eau là. Non, les bonnes œuvres que vous faites, comme valoriser les femmes voilées, comme faire en sorte qu'on vive notre sunna tranquillement, qu'on soit respecté. Vous n'allez pas aller nous enlever nos voiles pour un passeport. Non. Ceux qui le font, c'est les musulmans, même s'ils ne sont pas sunna. Tu vas à l'aéroport, il faut montrer les oreilles ou quoi? Je vais être content de ça, je ne serai pas content de ça. C'est comme un démocrate qui veut ça. Son élection très très rapidement, je ne suis pas contre ça, mais il se démerde avec sa démocratie. Qu'est-ce qu'il propose moi pour moi? Pour l'instant, rien. Aucun d'eux ne veut qu'il soit associé à l'islam, aucun.
Vous voulez que je suive des gens comme ça? Les mêmes erreurs du passé, la mine. Hein? Comment quelqu'un peut faire ça? Moi, je comprends les hommes politiques, s'ils n'ont pas de stratégie, ça, c'est un autre débat. Mais toi, tu es déjà au pouvoir. Tu es déjà là. Et tu sais pourquoi tu es venu. Tu sais comment tu es venu. Donc, c'est très simple pour toi. Je dis, ah, le monsieur là, il avait fait ça. Ah, le monsieur là, il avait travaillé avec celui-là. Ah, le monsieur là, je ne peux pas liquider tout le monde, certes. Parce qu'il y a des gens, je vous ai dit au début, il y a des gens qu'il ne peut pas liquider. Non, il faut qu'il les recycle. Parce que ceux-là l'ont aidé. Parce que pour faire un coup d'État, c'est comme la sorcellerie. Il faut avoir des gens à l'interne qui te... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ceux-là, il ne peut pas les liquider. Il est obligé de les garder. Mais rajouter les saletés là, à chaque fois, ils ne vont rien apporter. Mais rien du tout. Absolument rien. Et c'est-à-dire, il y a des gens, quand tu les approches, il faut remarquer seulement, tu sens que ça te... Il y a des gens, leur soutien n'apporte rien. Ça n'enlève rien. C'est-à-dire, c'est fouillant quoi. C'est zéro, c'est fou, fa fou. Donc, il faut remarquer ça. Donc, au lieu de tout ça, mais c'est les voyants là qui leur disent, non, tel peut t'aider, tel chanteur peut t'aider, telle personne peut t'aider. Oui, mais les chanteurs là avaient soutenu Alpha Condé. Mais toi, tu es venu enlever Alpha Condé. Pourquoi il n'a pas soutenu Alpha Condé? Pour éviter que tu viennes l'attraper. Ou bien, pourquoi le chanteur là n'a pas dit Alpha Condé, Mamadi Doumbouya vient vous, attention. Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais parce qu'il est incapable. Tu vas te jeter sur là. Tu vas te jeter sur... Non! On n'arrête pas tout le monde. Il y a des gens même, tu les laisses dans leur mouvement comme ça là. Eux-mêmes, à un moment donné, les gens vont leur dire, d'autres personnes vont leur dire, hé, mon frère ou ma soeur, hé, reste tranquille. Oui, il y a des gens qui vont le faire. Mais toi, Mirimi était guérissouma. Miriouma était Oumassouli Boulama. Non, c'est quelqu'un d'autre qui va venir te défendre. C'est quelqu'un d'autre qui va venir se battre pour toi. Toi-même, tu ne peux pas. Aucune personne. Si tout le monde pouvait se battre pour soi-même, qui allait avoir des problèmes? Qui? Personne n'allait avoir des problèmes. Chacun allait se battre à son niveau. Oui, tranquillement. Voilà. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si ça continue comme ça, ça ne sera pas bon. Inch'Allah. Je ne suis pas... je ne suis pas prophète, loin de là, staffoula. Je suis même pas à leur cheville. Loin de là. Mais il faut être réaliste dans la vie. Il a fait le coup d'état pour sauver sa vie. Mon frère, j'ai dit ça ici combien de fois? Combien de fois j'ai dit ça? C'est ça votre problème. Je vous dis que ceux qui combattent Mamadi Doumbouya, c'est eux qui font qu'il est encore là. Il faut retenir la partie là aussi. C'est les gens de commentaires là qui font que je ne l'attaque même pas. Le karma existe, oui, bien sûr. Moi, je me suis battue ici. Mon karma, moi aussi, pour moi aussi, ça existe. Vous croyez quoi? Donc, on va attendre. Il faut aller l'enlever. Ou bien, voilà, c'est ça. Quand vous parlez de karma là, moi aussi, j'ai été assise ici. Quelqu'un ne m'a pas donné un franc. Quelqu'un ne m'a pas dit merci non plus. Ah, on m'insultait ici. Quelqu'un ne m'a pas défendu. Hein. Mais je regardais les injures là. Et je n'ai voté pour personne. Mais je l'ai fait. Le karma là aussi, ça existe. Donc, comme le karma là existe là, nous allons rester suspendus comme ça. Mamadi Doumbouya va rester suspendu. Les hommes politiques suspendus. La population suspendue. Nous allons rester comme ça. On va attendre celui qui va venir débloquer la situation. Parce que tous les trois groupes là, personne n'est OK aujourd'hui. Personne n'est en train de dire Alhamdoulilah. Le karma existe, bien sûr, mon frère. Et c'est pour tout le monde. Tu crois que ça n'existe pas pour moi? Ça existe pour moi. C'est pourquoi l'argent là, je ne veux pas. Non. C'est ce qui me donne ma force. Je peux dire ce que je veux. Quand je veux. Masha'Allah. Quelqu'un ne me dit pas, va dire ça. Parce que toi-même, tu as un téléphone, il faut venir dire. Ou bien tu n'as pas de bouche. Ou bien ton cerveau ne peut pas réfléchir correctement. Tu prends ton téléphone, tu viens dire ce que tu as à dire. C'est très, très simple. Quand moi, si moi je suis homme politique ou homme d'État, il y a des gens, je ne veux même pas qu'ils disent mon nom, en bon ou en négatif. C'est-à-dire, quand tu commences à me soutenir, je vais te payer. Je dis, à cause de Dieu, ne me soutiens pas. Voilà, merci. Parce que toi, là, je t'ai remarqué, tout ce que tu as soutenu sont en prison. Donc, moi, oublie-moi. Hein? Voilà, l'argent, si c'est ce que tu veux. C'est tout. C'est très, très simple. Donc, le karma existe, bien sûr. Et ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la loi d'Allah. Le Hakala. Mon frère, ça existe. Moi aussi, j'ai beaucoup parlé ici. Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Et c'était gratuit.
Eh oui, c'est pas parce que je n'aime pas l'argent, hein. C'est parce que je veux ma liberté. C'est parce que j'ai une dignité. Je veux le faire, la rébellion contre la Guinée. Mon frère, ça c'est un faux débat. Vous, tous vos présidents, là, il y a rébellion contre eux. Alpha Condé, il y a eu rébellion qui voulait venir. Mais c'est Mamadou Doumbouya qui a été rebelle. Et puis l'État africanien. Hé, hey, moi je ne suis pas dupe. C'est avec ça qu'on vous manipule. Vous ne voulez pas la rébellion en Guinée. Vous allez faire quoi au Rwanda? Vous allez faire quoi en Sierra Leone? Mais eux, ils ont vécu ce que vous, vous ne voulez pas là. Et c'est les résultats de ça là qu'ils sont en train de vivre. Et ils sont mieux que vous. Comment quelqu'un peut faire la guerre et le génocide? Il est mieux que toi. Pourtant, tu es plus riche que lui. Donc, mon frère, il y a un problème. Il y a un gros, gros problème. Ça, c'est la manipulation. Moi, je ne fonctionne pas avec ce truc de rébellion. On veut attaquer la Guinée. On veut si... C'est toujours le même scénario. Toujours la même méthode. Toujours la même technique pour mélanger les gens, pour mettre les ethnies dos à dos. Je ne suis pas avec ce genre de méthode de mettre les gens dos à dos. Ça n'a rien apporté. Si ça devait apporter, Mamadou Doumbouya ne serait pas là aujourd'hui. Si ça devait apporter, il ne serait pas là. C'est à cause de ses fausses informations que lui, il est arrivé. Il n'est pas venu du Sénégal, il n'est pas venu de la Sierra Leone, il n'est pas venu du Mali, il n'est pas venu du Burkina, il n'est pas venu de la Côte d'Ivoire. Il est venu de Fulcaria, 100 km. Qui a vu ça? Hein? Pourquoi ils n'ont pas vu ça? Pour dire que, oh, Alpha Condé, il est juste à côté de toi et celui qui veut t'enlever. Il s'appelle Mamadou Doumbouya. Oui, même si on ne dit pas son nom. Aujourd'hui, quelqu'un va venir me dire qu'il y a une rébellion qui est en route, comme je sais. Bah, c'est possible, hein? Peut-être que c'est sa chute qui est proche, j'en sais rien. Si on se fie au passé, on peut penser ça, pourquoi pas? En tout cas, la rébellion qui est venue, c'est lui. C'est lui le rebelle en question. Non, en tout cas, moi, j'ai rien vu d'autre. Ceux qui voulaient attaquer Moussa Alpha Condé, c'était lui. Peut-être que les autres se sont rétractés, ou peut-être que les nouveaux rebelles qui vont venir là, peut-être que les nouveaux rebelles qui vont venir, je ne sais pas qui ils seront, mais on verra bien. Mais je ne gobe pas trop cette histoire-là pour mélanger les gens, pour mettre les ethnies dos à dos, pour diviser, pour mieux régner. Je ne suis pas... Je trouve ça très, très enfantin que les gens soient toujours dans le même jeu. C'est le même résultat. Tu sais que ce que tu dis, c'est des bêtises. Ce que tu dis, c'est faux. Ce que tu dis, ça va mal finir. Mais tu le dis quand même. Est-ce que ça a un sens? Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, je ne marche pas avec ça, quoi. Voilà, c'est toujours le même film. Moi, je ne... Comme tu écris là, à Soubi... Je ne sais pas si c'est ça. Je ne suis pas dans ce truc qui est... Je sais que je vous dis, quand c'est répétitif, c'est très, très fatigant. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Moi, j'ai besoin de nouveauté. J'ai besoin de voir ce que je n'ai pas l'habitude de voir. J'ai besoin de voir de nouvelles têtes. J'ai besoin de voir de nouvelles choses. C'est ça le changement. Les mêmes personnes qui racontent les mêmes bêtises, les mêmes personnes qui font les mêmes détournements, ou bien les neveux ou les nièces, c'est les mêmes qui partent et qui reviennent. C'est-à-dire, c'est comme si c'est leur papa qui avait construit, qui avait créé ce pays-là. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut très, 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 très bien réfléchir. Colonel Mamadi Doumbouya, il faut très, très, très bien réfléchir. Réfléchir, te remettre en question, voir les erreurs que tu es en train de faire et que... De changer ça. Non, il faut, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Moi, je suis pas du genre à flatter les gens pour que, je sais pas, pour que quoi ça arrive. Non, 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 c'est pas intéressant. Je le dis régulièrement, j'ai un demain. Moi, j'ai un avenir. Oui, j'ai un avenir. Et je sens, mashallah, que ce sera un avenir très, très grand. Je vais pas hypothéquer ça pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Un. De deux, je vous l'ai déjà dit régulièrement. Je ne prendrai la honte de personne. Personne, même mes parents. Je vais te dire que là où tu vas là, attention, hein, peut-être, Inch'Allah, c'est Allah qui sait. Mais avant que ça arrive là, je suis déjà quitté go. Non, 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 non. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le réseau de la honte là. Il y a des gens, eux-mêmes et la honte là, ils sont un. Donc la honte là, ils ne comprennent même pas que c'est la honte. Ils sont devenus une seule personne. Ce que toi, tu penses que c'est la honte là, pour eux, c'est même pas la honte. Donc quand ce genre de personnes, eux là, il faut les laisser dans leur réseau et dans leur mouvement. Et parler à tes personnes, comme ce que le Bangoura Hamela vient de dire, de ne pas se braquer, de donner les conseils. Oui, c'est les conseils-là que je suis en train de donner, mais il faut qu'ils comprennent une chose, on n'est pas des doutes.
gens autour du palais. C'est-à-dire, c'est le même scénario à chaque fois. Le même scénario à chaque fois, raconté par les mêmes personnes. Hein? C'est ce que j'ai dit au début. Peut-être que tu viens d'arriver. Comment lui, il a fait pour attraper Alpha Condé? T'es pas quelqu'un de son milieu. On ne peut pas dire comme ça que c'est le même milieu. Mais pourquoi on ne lui a pas évité ça? Pourquoi on ne l'a pas anéanti? Alpha Condé n'a pas réussi à t'anéantir. Mamadi Diané n'a pas réussi. Ah ouais, c'est ça qui m'énerve. Mamadi Diané n'a pas réussi à t'anéantir. Déjà, il est dedans aujourd'hui. Tout ça, là, ça s'est passé. Ça, c'est la force d'Allah pour te montrer que il faut l'imania. Adam a dit l'amma. L'imania n'a qu'un nafa. Adam a dit l'amma, l'imania. Tous les gardes-corps là, tous le bataillon là derrière, quoi. Et puis ça coûte cher. Ça coûte cher. Vous coûtez cher.